Bon, si vous suivez le stream jusque-là, on a eu un petit problème technique avec le micro. Si vous nous rejoignez et que vous êtes sur les VOD, il ne s'est absolument rien passé, car vous n'avez rien vu. Et quand vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé. Voilà, donc on vient de tuer la bestiole crabeuse qui nous suivait depuis le début. On va enfin pouvoir accéder aux recherches de Rosetta, qui devrait nous permettre de faire un codex ou on ne sait quoi encore de mystique qui permet de lever la clé, bref, de sauver le monde. Mais pour le moment, sauver le monde en tombant d'une échelle, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on est tombé de l'échelle. Parce que rien n'est simple dans la vie d'Isaac. Et donc on va avancer dans la neige et faire le tour. On est toujours derrière. Isaac, il est toujours derrière. Je sais pas pourquoi, c'est toujours le dernier à monter, c'est toujours lui qui se pète la gueule, qui prend des crabes sur la tronche, enfin sauf quand c'est la blague sans cheveux qu'il fait. Mais bon. Quand même pas beaucoup de chance dans sa vie, même Isaac. Alors qu'on entend le bling. Ça ne vient pas du jeu. Alors, toi avec la loupiote, où est-ce que tu vas? Reviens? Non? T'as pas envie de revenir, monsieur, avec la loupiote? Non, il revient pas. Bon, on va le laisser tranquille dans sa vie de nécromorphe. Hein. À faire boum, j'ai des gros bras. Faire de le passionner. Donc, on casse des caisses. Alors. Je pense qu'on va finir par croiser quelque chose à un moment. Ah, les méchants de la secte! Pratique. On cherche Rosetta, bah, faut aller au lab de Rosetta. Alors, le bypass, hop, ça c'est bleu. Ça c'est bleu. Ça c'est bleu. Et c'est bypass. Youpi. On prend l'ascenseur. Et on regrette toujours l'absence de musique dans l'ascenseur. Un bon moyen d'être très décalé. Merci. Ah, salut toi. Voilà fait. Beaucoup de munitions. Ah, j'ai pas regardé mes HP, je suis un boulet. J'ai bien pas esquivé aussi, c'est plus simple ça. Alors, par où vous allez sortir mes chéris? Voilà, le premier. Calme tes tentacules tout de suite. Hop, prends un petit coup de stase. Ils sont solides ceux-là. Comment ça m'est brisé? Disons, les tentacules le sont moins. T'as plus de tête, tu t'en fous. T'as plus de bras, tu t'en fous, il y a des tentacules qui poussent. Alors, on a une nouvelle soute. Mais je crois que on l'avait déjà équipée au moment où il s'est rien passé, personne n'a rien vu. C'est ça, on a eu la Legendary Suit. Ça nous fait ressembler à un soldat. Est-ce qu'on a de quoi update notre rig maintenant? Non, on n'a pas assez de somatic gel. Est-ce qu'on a fait des packs? Hop. Il y en a par terre, tiens. Alors. Là, apparemment, il faut une clé pour y aller. Isaac ne sait pas danser pour l'instant. Hop, sur le bouton.
Je vois pour vous, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir passé la moitié de mon play, de mon temps de jeu dans des ascenseurs ou en train de marcher. C'est pas dans un même. Alors, est-ce qu'il va encore y avoir des saloperies ici? Moi j'ai vu, je cours, rien à foutre. Petite roulade pour la route, hop, petite roulade. Un ascenseur de plus. Ah non, c'était juste la décontamination. Salut! Le truc écrit au mur avec du sang, c'est dégueulasse. Et un truc découpé en morceaux. Hop. Puisque rien à ça dans la vie, ils n'ont pas laissé toutes les pièces de Rosetta dans le coin, parce que sinon ce serait trop simple, donc il va falloir trouver les pièces de Rosetta. Donc on a trouvé une simple, je suppose que le reste va être beaucoup plus chiant. Voilà, ça rentre. Oui, je veux activer. Rosetta, ça a l'air d'être un sacré monstre en tout cas. Je croyais qu'elle était censée être humaine, mais je sais pas pour vous, mais je trouve que ça a pas l'air d'un humain. Comme par hasard, on a trouvé un security pass. Great, thanks. Find out what you can about how assembling Rosetta will create a codex. I'll explore the labs and recover the rest of the Rosetta slabs. C'est parti pour trouver des morceaux de trucs congelés. Pour que le truc congelé ne soit plus congelé. Bref, la joie. Le bonheur. Et la chaleur dans les cœurs. It looks like there are three primary buildings in this facility. The one we're in now is biology. There's one for paleontology and one for geological studies. Which one should I check out first? It doesn't matter. Just be careful. Alors là, on va en géologie. Why? You think there's something out there that wants to eat me? That's not funny. I know. Isaac out. Moi, je trouvais ça pas mal. Je crois que j'ai vu un scavenger bot rentrer là-dedans. Et j'ai trouvé le... Ah bah voilà, les deux. Est-ce que je préfère les trucs de ma blueprint? Non, toujours pas. J'ai eu le Honey Badger. Medic support and mail. Ça, apparemment, c'est un truc pour soigner en coop. Mieux le nier. Ah, je sais pas ce que c'est pour lui. Bref, nous disions, on a eu un upgrade. Est-ce que j'ai encore des places là-dedans? Ok, ça coûte que 20 toxtens d'augmenter. Non mais je vais aller sur celui en bas à droite là. Ok, bon. On va l'ouvrir. Merci. Hop, add reload. Le reload equip, ça. C'est ça qu'on veut. Est-ce qu'on a eu des nouveaux trucs ici? Craft new tool. Non. Ça me paraissait pas mal. Ouais. C'est un truc pour la mêlée. Apparemment.
On va voir ça tout de suite, hein. On va le tester. Non, je vais sortir du menu, je vais tester mon arme. Allez hop. Ah oui. En effet, c'est pratique. Non, maintenant j'ai la carte de sécurité, je peux ouvrir ces portes-là. Et c'est affreux. Allez, on va lancer Scavenger Bot. Allez, on est au bon endroit. Oula, oula, tu te calmes. Oui, fallait pas rester devant. On va s'en débarrasser tout de suite. Merci. Ah, salut toi. Voilà, c'est dégueu. Ah, des munitions. On est un peu short là, je peux pas charger. Un med pack. Apparemment, on peut stériliser tout ça, mais ça les fera mourir. Putain, que c'était un micro, ça renfloue un petit peu vu que j'en ai pensé beaucoup, c'est cool. L'ascenseur, l'ascenseur. Des bruits rigolos. Où est-ce que t'es? Où est-ce que c'est? Ah, des ratacules. Merci à plus, comme on dit. Alors. C'est de mettre des trucs dans la pompe tout en faisant marcher. En gardant l'élévateur en vie. On va le laisser de ce côté-là. Mmh. Ça. Non, okay, ça c'est pas très bien. Non. D'accord, donc on recommence à zéro. Donc là, la pompe qui marche et l'élévateur qui ne marche pas. On va essayer de faire. Ça, c'est quoi? Il faudrait que je récupère 70 ou 50, 70. Non, ça marche pas. Et là? Oh, come on. Donc, on va faire des calculs. 210, il est enlevé en face, il y en a 160. D'accord, pourquoi la pompe elle a besoin de moins? Alors on va essayer de faire ça. Voilà! C'est ça qui est bon. Ah non! Non mais c'est pas le moment, non c'est pas le moment d'ouvrir ce truc. Arrête-moi ça tout de suite. Ah la pop-up. Arrête ça tout de suite. Voilà, merci. Ah, ça marche pas mal ce truc-là. Je suis assez fan. Donc la pompe remarche. C'est ce qui devait poser problème. On va pouvoir balancer du gaz sur la saloperie du haut. Allez, l'ascenseur. C'est un nom de charge, c'est normal que ça aille pas très vite, mais ça reste assez. Ah bah tiens, on va faire des copains. Donc t'as plus de jambes. C'est quoi de plus avoir devant? Nous impressions du coup. Un micro. Jean-Robert.
le sans jambes. Apparemment, il n'a pas l'air d'aimer l'envoi. On monte le gaz. Heureusement, il y a une petite porte qui s'est fermée avant. Il n'a pas l'air de kiffer. On nous cache fort bien le... l'extérieur, comme ça, ça peut... on peut faire un petit temps de chargement. Et voilà. Ça devrait être bon. Tout parti, les trucs dégoûtants. Et quoi ici? C'est par là? Il y avait un monde de charge là-bas, je crois. Ah bah d'accord, il y a toujours un truc dessus. Apparemment, je pourrais utiliser le truc. Bon, ouais, on va aller voir. Tu vas pas travailler, toi? C'est ouvert. Un truc dégoûtant au mur. Qui, je le sens, a envie de se réveiller. Non? T'as envie? J'ai dit de lire le message au mur. D'accord. J'ai déjà rencontré une de ces saloperies. Je sais exactement ce qu'il fait. Je sais qu'il y a des tentacules. Donc il y a toujours des tentacules. Déjà moi? C'est tout? Que c'est de sauvant. Il n'y a rien pour s'agripper à mes jambes, je trouve ça super dommage. Ouais, je suis pas obligé de tout se tomber comme ça. En faisant rien juste pour les doutes, mais elle se tombe parce que... Ah, une partie de Rosetta. Bref. Je pense que je vais bien me galérer parce qu'il y aura des monstres sur la route. Voilà. Ouais. C'est pratique, on peut le garder en... en même temps qu'on tire. Te calme le tentacule. Merci. Ah, voilà, encore d'autres. Il y en a encore. Est-ce qu'ils encaissent ceux-là? Ouais, je viens de... j'ai bien des munitions. Voilà, calme-toi. Zen, 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 zen. Hop, t'arrêtes ton coup. Non, y'a rien dedans. Oh, c'est ça. J'ai connu plus vénère, les mecs. Y'a rien dedans non plus. Il est où ma Rosetta? C'est la Rosetta. Tu. Ok, ça passe pas. Je pense qu'il doit y avoir un monte-charge quelque part. Un truc pour l'envoyer? Parce que si je passe par la porte, c'est un peu gênant. Non mais c'est pas ça que je veux prendre. Ouvre la porte.
ça va pas passer, donc je pense. On va le faire passer par en haut. Maintenant, il y a le monde charge. Which piece is it? It's hard to tell from the cross section, but it doesn't look like anything I recognize. Okay, I'll get it prepped when it arrives. Alors, j'aurais crafté des munitions. Je crois qu'il y avait un monde de crafting ici. Non, c'est pas ici. C'est juste avant. Sauvegarde. En plus, c'est Scavenger Bot qui est revenu. Numéro 2 qui devrait suivre. Ok, merci Scavenger Bot. Je peux en faire que 2. Non, c'est pas des objets que je vais faire. Tout au carême. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Est-ce que je peux créer un nouveau type d'armes? Burst Fire Submachine Gun, ce truc fait le Spread Fire, ça je l'ai déjà. Le Burst Fire Submachine Gun. Precision type. Le Sniper Like Precision. Enfin, un sniper aussi. Bref, je prends envie d'un sniper. On va récupérer Scavenger Bot pour pas perdre de ressources. Ah, donc je dois aller voir au bench. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Pas grand chose. J'ai quoi dans mon safe? Compact Sniper Machine Gun, j'ai le Heavy Standard déplété de Prop Gun. J'avais pas trop aimé le Prop Gun, dois-je avouer. Je n'ai pu mettre des têtes explosives dedans, ça aurait pu être assez rigolo. Comme ça, toi tu me gêneras pas, non. On peut mettre un coup avec le Scavenger Bot. Scavenger Bot, hop. Avec les copains, et on va monter. On va trouver là encore des bouts de Rosetta. Alors, est-ce que vous allez être. Cette porte-là ne marche pas. Oui, je vais activer, j'en suis sûr. D'accord, on a une sauvegarde. C'est-à-dire qu'on va voir des copains, il y en a un sur le toit là, je ne le vois plus. On va pas faire le coup de me tomber dessus. Pardon aussi. Voilà. Allez. Ok. Très mal joué tout ça. On va mettre un coup de grenade là-dedans et on se calme tout de suite. Bien foncé, ok. Je commence à en avoir beaucoup là, je crois que j'utilise le stade. Voilà. J'ai raté mon moment pour leur taper dessus. Voilà. Regardez les copains. Voilà. Voilà, t'es mort. Là, ça fait pas du bien. Je veux pas te faire des câlins. Il y en a derrière. Mes packs, clairement c'est la merde. Allez, une petite stas, ça va faire du bien. Pourquoi ça va pas toucher lui? C'est le 2, c'est le dernier. Non, ils sont encore au sol. Faut arrêter l'autre maintenant. Oh, j'ai vu un mes packs passer. Stasis. Pour être tout à fait sincère, je m'en fous un peu de ton stasis. Hein. J'aimerais beaucoup un mettre pack. Voilà. C'est fait. On fait plus d'enfants, mais là c'est la paléologie. Paléontologie. Tologie. Bref, la latologie. J'ai plus de mettre pack. Hello, Isaac.
D'accord. Je dois comprendre que t'es pas juste un fou furieux. Alors on a trouvé une mission optionnelle qui me branche pas des masses. Un truc à ouvrir avec une torque qui ne branche pas des masses. D'or le plus un damage, ça pourrait être pas mal pour la mitrailleuse. Clairement elle se fait gros problème de temps de recharge. Alors, c'est long. Vous avez des monstres dessus, c'est très long. Voilà. Où est-ce qu'ils vont être? Salut toi. Les golems. Ah, c'est vrai que c'est la tête dans les golems. Voilà, ta tête a explosé, est-ce que t'es content d'être venu? On va recharger avant qu'ils arrivent. Voilà. Pas déçu du voyage. Toi non plus. Où est-ce qu'il est? Non, ça part pas. Plus. Il y en a encore. Est-ce que vous êtes les golems? Ah, les super golems. Font chier à faire du hit and run les golems. T'as vu ce que j'ai fait à votre copain? Venez. Comme ça on règle ça une fois pour tout. Ouais. Laisse-moi tranquille. C'est mon bras à moi. C'est ma tête. Faut pas me l'arracher, t'as pas le droit. Allez. Radical. Bon gros coup de scie sauteuse. Je tiens dans le vide là. Non, il y en a encore. On voit pas grand chose. Mon ammunition. Bien. Il y en a partout, tiens. Ah, c'est la fête des golems là. C'est la fête du loot. C'était la fête du loot. Bref. Cargo lift. Hop. T'es ici. Je t'appuie dessus, on descend. Faire un tour. D'accord. Petite énigme. D'accord, donc il doit passer comme ça. Le but est de toutes les mettre à 0 degré. Alors j'ai quoi pour le faire tourner? J'en ai que 2. 30 degrés, 30 degrés. Alors je vais la faire passer le premier. Hop, ça c'est fait. Ah non, faut tous les aligner, d'accord. 90, 90. Pas bouger en cours. J'aimerais comprendre comment ça marche. Donc là, on est à 0, 150, 0. J'appuie dessus. Si j'appuie dessus, ça ne fait rien. Si. 0, 60, 60. Faut savoir comment ça change. Ok, celui-là prend 60 à chaque fois. L'autre. Il n'y a pas un truc de l'autre côté par hasard. Non. Thank you.
Ok, j'ai compris le principe. Donc là, pour le mettre à zéro, je sais plus comment j'étais, mais il faut que j'arrête un peu. Ah bah voilà. Bon. Ça complète. Il faut récupérer mon bout de Rosetta. Viens par ici. C'est quoi dans celui-là? C'est un bout de torse bizarre, avec des bras. Hop, je crois que c'est là-bas qu'on l'amène. Ouais, ça va. Et de deux. Normalement, vous voyez un bout de Rosetta, ça fait pas des mobs. Isaac, these slices, are you sure this is Rosetta? Only one way to find out. Let's keep going. On vient faire la fine bouche, genre, est-ce que t'es vraiment sûr d'avoir les bons? Parce que là, je sais pas, tu m'envoies des trucs, tu m'envoies des bouts de gens. J'aimerais que tu vérifies avant, quoi. S'il te plaît, on voit pas des bouts de gens bizarres. Oh là là. Enfin, une grosse caricature de Lex, je crois que c'est pas vraiment possible. Allez, Rosetta, montre-toi, nous. Avengerbot, il a fini sa mission. Non mais j'en viens là. T'es gentil, mais j'y suis déjà allé. Donc là on était en paléontologie, il faudrait aller en géologie je suppose. Et c'est fermé ici. Oui. En tout cas les types des mines ne changent pas vraiment selon les endroits je vois. En biologie, il y a des montries de haut, des trucs comme ça. Ok, ok, oui, donc faut redescendre. On va voir où ça nous mène. Hein, il est où? Ok, ça qui s'est ouvert, c'est pratique. Ok. Donc là, on est revenu. Hein. Non, biologie. Ah d'accord, j'ai oublié cela. Oui, on va où tu veux en venir, on n'a pas trop envie de savoir. Oups. Non, c'est bon, c'est pas ici. Si, c'est ici. D'accord. Oui, c'était pas une bonne idée. Bon. J'avais une idée dedans, mais la réalisation était pas bonne. Est-ce qu'on peut activer de là-bas? Alors il va falloir que je cours jusqu'à là-bas. Où est-ce que je peux aller me cacher? Vite. Voilà. On va nettoyer tout ça. Le rouleau de damage, on a dit qu'on le mettait dans la mitrailleuse. Hop. Amélioration, mitrailleur, oui je vais l'ouvrir, un damage, voilà, ça qui est bon. Hop, on craft, ammo, on va faire un petit peu, mettre pas qu'on en a besoin, c'est pas cool.
Les petits mètres pas qui servent pas à grand chose. Et je défonce trop de somatic gel dedans, donc il faut que je fasse plus gaffe parce que je... Donc là, on avait la valve. On a fait brûler les trucs infâmes. Ça sent l'intestin grillé. Ça qui est bon. Ok, là je suppose qu'on va avoir les... les scavenger bots, et je suppose qu'on va voir les mecs de la secte avec les inscriptions partout. Je peux pas te poser... Voilà. Fallait le dézoomer un petit peu. Hop. La mission. Il va y avoir du shooting à faire. Ah, on peut pas avoir des saloperies en fait. Ah oui, on a une saloperie. Oh, salut Gollum, ça va? Allez, boum. Ok, et là je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs en fait pour finir. D'accord. Voilà, là je peux rien faire. Je peux pas esquiver en avant. Et je mourrai. Je trouve que l'esquive a trop de temps de. Si vous connaissez un peu le jeu de combat, elle a trop de frames en fait. Vous faites absolument que dalle. Alors, on va calmer le golem tout de suite. Ouais, là. Ah, c'est quoi? D'accord, il est déjà là lui. Il va s'en arracher la tête et il va s'en prendre. Oula, putain. Bon, je me suis explosé avec ma grenade, c'était pas très malin. Ouais, en route les petits bottes. Je sais pas si on va réussir à passer ce truc là. Faut que j'arrive à rentrer dans la salle en fait. Pourquoi il veut pas le poser? Voilà. Donc. Cette fois-ci, j'ai eu un 32 sorts, super. On va prendre ça. Time event plus tard d'en tuer un. Il n'y a pas vraiment de dégâts pour moi. Et là j'ai pas compris, j'étais j'avais plein de points de vie et... Bref. On arrive dans le dos aussi. Il me fait pas mal encore. Non, il me fait pas. Je me souffle ce passage. Je suis bloqué contre une porte là. Bon, je vais essayer en entrant. Ça passe mieux. Voilà, c'est passé. J'ai trouvé un artefact. Bref, il n'y a plus de salut. Oh là là. Comment? Qu'il soit caché, j'aime bien. Il
Et utiliser des kinésies qui seraient juste en face de votre nez, que vous puissiez pas les prendre, je trouve ça un peu. Ça, c'est pas le crabe de la dernière fois. On dirait notre ami le crabe qui nous a brisé tout à l'heure. Ça c'est fermé, donc il doit y avoir un bout de Rosetta dans le coin. Où est-ce que t'es Rosetta? Alors, ça c'est pour mettre le bout de Rosetta. J'ai pas vu où était le bout de Rosetta. Et miraculeusement, ça s'est ouvert. Au moins, on va pas laisser galérer pendant 15 ans. Ah, salut vous! Oh, des gros là! Des ratages miraculeux. Mais franchement, ça fait mal. C'est pas beau, les gros là. Plus de ratacule. Du somatique gène. Allez, tout quelque chose de bien. On fout tout, putain de jeu. Ça aurait peut-être de faire de nouvelles améliorations de santé, mais je doute que j'en aurai assez. J'ai trop besoin de mettre pas pour le moment. Bon, allez, on va pas tout se mâcher, on va lancer. On va encore se faire de nouveaux amis en ouvrant la porte. Celle-là ? Il y avait un gunship là-haut. Comment il m'a vu? Oh, clairement ça va pas être la joie là. Je sais même pas où il est ce gunship. Et on retourne sur nos pas, je crois. Alors, où est-ce qu'il est? Le salopard avec la torche. Hein. Encore une fois. Ah, bah il nous aide. Ok, il va vite, il fait mal, et il nous en veut. On prend une petite tasse pour la route. Et il est bon. Clairement, ce nouveau type de bestiole ne me plaît pas trop. Alors voilà un. Mais non, il y en a deux. Pour la route. 4, d'accord. D'accord.
contre pas t'avoir rencontré plus tôt, toi. Non, je suis un peu. D'accord. C'est bon, j'ai encore des munitions. Et j'ai encore des meatpacks. Il me manque toujours un bout de Rosetta, par contre, je sais pas où il est. Apparemment, il est par là. Standard frame, ça c'est pour une arme normale. Non, par où c'est un. En géologie encore? D'accord, on va venir en géologie. Je suis pas encore allé. Non, j'ai fini la palais. Oui, en effet, je suis pas allé ici. Pratique parce que je suppose qu'on va encore avoir plus des salopards bizarres. Ouais, ça sent le salopard bizarre. T'es qui toi? Non, c'est le truc de tout à l'heure qui font un essaim là. Et qui... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je peux pas se laisser encercler. Super fragile. Ceux-là ils sont intelligents. Ceux-là ils sont vraiment intelligents. Ils sont super fragiles. Ouais. Dès que j'ai un angle mort, je me fais charger, c'est bon. Eh ? Ah, de ramper comme ça, toi ? Voilà, je vais me charger par là, non ? Ouais, est-ce qu'il m'a pas. Ok. Ok, il se rapproche. Ceux-là, si le jeu faisait plus peur, il serait clairement excessivement flippant. Ok, il y en a deux qui ont plus de jambes mais qui courent quand même. C'est super perturbant. Arthur, tu vas prendre une balance par avant. Ok, j'ai pas eu toute bonne défait. Il faut que je regarde d'ailleurs. C'est peut-être la technique aussi. C'est juste aussi comme ça. Ouh, je te vois pas. Surprise. Ouh, je te vois pas. Surprise. Non. Ouh, je regarde là-bas. Oh là là, c'est mal en fait. Je sens que c'est copié la technique de chasse des lunes. Ouais, ils sont bien galères. Probablement une tactique qui m'échappe. Alors, c'est de quel côté? C'est là-bas. Donc là, je suppose que soit c'est une mission optionnelle. C'est la suite. La suite serait pas verte. Elle serait pas ouverte. Allez hop, on la sent ça. Oh zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. On va retenir en arrière. Allez. Encore flingué de l'alien. Enfin, du truc bizarre. Du coma. Vous êtes tous les corps. Ah, oh, il va encore rien avoir. J'ai pas envie. Je pense que j'ai pas trop le choix. Que de repasser par. Voilà, et c'est là. Les saloperies sont vraiment intelligentes. Alors, je suis bien intelligent. Par contre, elle meurt aussi très très bien. Très très bien, très très bien, j'ai plus de points de vue. Hop, on va foncer ici. Alors, j'ai toujours envie de venir me chercher là.
va pouvoir utiliser le gel là pour partir un objet. Vous êtes tous les copains. Ah, j'aime pas. Dès que je suis dans une position avantageuse, j'aime pas. Allez, on va vraiment charger là. Et je peux me suivre. Chier. Ah, je vais utiliser des stades. J'oublie toujours les stades. Elles me chargent comme ça. Alors là, elles arrivent. Je viens en arrière. C'est pas responsable. On les a mis tous dans le même coin. Ça c'est pas très mal de ta part. On n'a pas de mission dedans, c'est un peu chiant ça. D'accord. Bon, ça va être dur, j'ai vraiment plus de munitions. Où est-ce que vous êtes, les copains? J'ai plus du tout de points de vie. Où est move de ta part, ami bestiole de Ouvesque? Bon, la vie sans munitions et sans points de vie, c'est pas rigolo. Surtout, j'aime pas ces bestioles. Là. Voilà, un pack. Ok, donc c'est par là-bas. Le scavenger bâton sur le boulot. J'ai pas d'autres mètres pas quoi. Hop. Voilà. Toujours ça pris. Il va y en avoir d'autres. Voilà. Il n'y a pas d'autres quelque part. Il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Un artefact. Ok. C'est les gens qui racontent leur vie. Man is naturally compelled to create red markers, duplicates made.
the original. They are as much a part of us as the planet that birthed us. Perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. Ah oui, bien sûr, j'ai pas envie de l'accepter. Je raconte des conneries, ça me plaît pas trop. Alors, est-ce que je peux crafter une arme? Non, pas à partir de Weapon Part, mais à partir de Blueprint. Non, je peux pas. Intimidate. Et en fait, c'est juste des armes modifiées. Des trucs comme ça. Oula, c'est quoi ce machin? Ouh, ça a l'air de faire mal en plus. Ça a l'air de faire très mal. Ah oui, ça coûte très cher en même temps. Donc, c'est pas surprenant. Je crois que j'avais des nouvelles améliorations. Meta Fire moins 1 reload. Ça c'est pas mal. Alors, oh, c'est mal modélisé tout ça. C'est un vieux sprite en 2D dégueu. Ok, mais j'ai pas grand chose à foutre de ce conducteur. Encore une mission optionnelle, on va voir si je peux pas crafter une torque pour ouvrir cette porte, parce que là j'ai besoin de trucs en plus. J'ai vraiment besoin d'avoir un torque. Allez hop, où est-ce que t'es? Yeah, je peux le faire. Allez, t'es construit, on s'en va. Merci pour... Ah, je voulais voir si on pour les medipacks. Ça m'est complètement sorti de la tête. Hop, medium medpack. Oups, le medpack. Clairement, tout mon somatique gel part dedans, alors faut augmenter mes points de vie. Et ça fait cher. Oh, c'est pas mal ça. Hop. Encore un retour au bench. On va le mettre dans la mitraillette parce qu'elle reload très lentement. Très très lentement. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Allez Isaac, en route. Bah, j'irai voir plus tard pour autre chose qu'un grenade launcher. Donc là j'ai le truc que je peux activer avec mon torque. Oh non, c'est des sales bonus. Voilà, c'est ça qu'on peut. Munition, du métal, les disjoncteurs, un mm pack. Earth Go Frame. Ah ça va être normalement un truc un peu meilleur que le mien. Fuck death. D'accord. Et puis non, c'était que des patrons. On a un coffre ici. Moi, je vais vous faire chier, hein, donc je vais retourner voir ce que c'était que le Earthgo Frame. Donc, normalement, les frames, c'est le truc qui permet de mettre plus d'amélioration dans une arme. Voilà. De toute façon, on va l'utiliser, hein, ça coûte rien. Compact Earthgo Frame. Ok, donc j'ai rien de nouveau là-dedans. Si j'ai appris à faire un nouveau truc de combat qui va être Hot Death. Blowtorch, je me fais un Ammo Sweeper. Non merci. Parce que le mien est déjà bien, sympathique. Alors on avait dit. Compact Earth Go Frame. Upper Circuit One. Upper Circuit One. Il augmente un peu la speed. Ok. Oh, c'est pas nécessaire l'animation. Alors, qu'est-ce qui me faisait chier? C'est le sort et charge. Pneumatique torche, on a vu que c'était pas terrible. Test l'accord. Ok. Hop, on va mettre le test l'accord. Avec encore la petite animation. Je vérifie mes upgrades quand même sur ça.
que normalement j'ai tout dans le slot. Ah en effet. Alors, add reload. Plus un reload, plus un damage. Reload. Plus un reload, plus un clip. Je peux avoir assez pour tout ouvrir. Et voilà, ajouter du damage. Alors, plus de damage, moins un clip. Hein. C'est parfait, reload, ça ira très bien. Il ressemble à quoi mon pistolet? Ok, il a pas beaucoup changé. Non, c'est Scavenger Bot. Ça c'est une mécanique que je trouve vraiment pas très fun. Après ça vous donne du bonus pour faire attention. Oh, fais attention à ce qui se passe. Il a pas envie de le poser. Bizarre ça, des fois il faut le déviser pour le lancer. Ok, il est énervé mon Tesla Core. On fait quoi de ce machin? À quoi ça nous sert? Bonne question, on va essayer de l'envoyer au bout. Parce que je pense pas que je puisse passer ici. Ah bah voilà, c'est ça que ça nous sert. Ouais, le dernier bout de Rosetta, on va pouvoir la reconstruire. Hop. Merci, là et là-bas. Oula. Soon, à mon avis, on va avoir des complications sur la route, mon cher Isaac. Je vais pas te casser le moral, mais. Alors. Ouais, ça fait mal ce truc. On se prépare à rencontrer des salopards fanatiques. C'est bien par là qu'on doit aller, c'est par là. De toute façon, il n'y a pas d'autre route. Mais on sait jamais. Alors ici, il y avait quoi déjà? Il y avait des saloperies. Qui chassent en meute. Alors, je suppose que je vais avoir des saloperies de Danik. Ok. Voici. Oui, parce que ça, c'est ce qu'a subi notre ami Isaac. Alors, je me souviens, ça, c'est pas l'endroit où je voulais aller. Par contre, c'est un gros temps de recharge.
le Tesla. Ok, il y a un roue. Que se passe-t-il? Non, on va pas pour ça. Hein. Non, c'est terrible. Sa fin devrait arriver bientôt, vu qu'il commence déjà à nous menacer. Ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ah, décontamination, et on va remettre Rosetta en état. Allez. Ah, c'est de l'autre côté. Alright, let's hope we can figure this thing out before Gannick finds us. So, like bones connected. Et donc c'est la fin du chapitre, on vous retrouve tout de suite après une petite page de publicité. À la prochaine.